Commandant. Un message en provenance. Téléchargement en cours. Téléchargement terminé. Lecture. Je m'appelle Sally, intelligence artificielle du commandant Chavallo. Si vous recevez ce message, c'est que nous sommes en mission. D'origine inconnue. Et par inquiétude, le Consilium a décidé de nous envoyer en exploration éloignée. Le but de notre mission étant de trouver et regrouper tous les systèmes pouvant accueillir la vie. Nous sommes en lien direct avec le groupe Lara du Consilium. Sally, est-ce que tu peux me faire une checklist avant le décollage, s'il te plaît? Moteur FSD, ok. Bouclier, ok. Groupe d'armes 1, ok. Groupe d'armes 2, ok. Radio, ok. Répartiteur d'énergie, ok. Radar de détection des corps célestes, ok. Décollage autorisé. Commandant. Ok, Sally. C'est parti. Direction Jack Station. Sally, qu'est-ce que tu sais des Targoïdes ? Les Targoïdes sont des êtres de type insecte. Leur métabolisme supposé être basé sur l'oxydation, réduction mais un équivalent du cycle de Krebs, n'a pas été démontré. En termes de procréation, il existe des femelles adultes nommées mères de la ruche, capables de pondre une succession de drones. Les drones sont produits à partir d'eux et conduits jusqu'à l'âge adulte par une série d'étapes larvaires similaires aux autres espèces d'insectes du monde connues. Toute reproduction est faite via parthénogenèse et il n'y a aucun signe de l'existence d'un second sexe. La culture et la politique Targoïde demeurent des mystères, principalement dû à l'absence de communication entre nos deux races. Le traducteur interespèce développé en 2015 par la branche recherche de l'INERA a permis un minimum d'échanges intelligibles. Est-ce que tu peux me citer la chronologie des événements des Targoïdes, s'il te plaît, Sally? D'après mes données, le premier contact a eu lieu en 2849. Des contacts intermittents avec des vaisseaux isolés deviennent de plus en plus fréquents l'année suivante. La Galcop enregistre un grand nombre d'attaques d'étranges vaisseaux Targoïdes octogonales. 2800.
1851. La première invasion des Dargoïdes est enregistrée dans un système. La guerre est déclarée et la marine galactique est mobilisée. 1870 à environ 2875. La guerre Dargoïde s'installe dans la durée. Cette situation restera plus ou moins stable dans l'espace Kalkop pour les 300 prochaines années. De 1990, l'empereur Duval tente de négocier une trêve personnelle avec les Dargoïdes. Des responsables de la Fédération sont également envoyés pour faire de même. Sans succès. 3150. La Fédération est d'accord pour aider la Galcop et offre en échange de la technologie comme moyen de parvenir à battre les Dargoïdes. Plus tard dans la même année, l'Empire fait une offre similaire avec l'accord de la Fédération. La Galcop accepte. 3200. Dernier vaisseau mère Dargoïde détruit. L'arme bactériologique a été employée pour anéantir les Dargoïdes. Depuis ce jour, plus aucune nouvelle. Sauf ce matin, avec la vidéo envoyée par le Consilium. Commandant, je détecte un mouvement de planète étrange. Je vous envoie les coordonnées. Ok, salut, on y va direct. Suite à cette étrange orbite, nous avons continué notre exploration vers notre premier point de passage. La nébuleuse de la patte de chat est une nébuleuse en émission située dans la constellation du Scorpion, à une distance d'environ 5500 années-lumière et s'étendant sur environ 50 années-lumière.
dire inquiet, je dirais plus angoissé. Arrêtons de parler de ça. Profitons de cette exploration. Vas-y, je coupe les micros pendant une heure. À toute, Sally. Commandant, je reçois un message du laboratoire d'analyse et de recherche alien. C'est un message vidéo. Lecture.